Bonjour à tous. Alors, petite vidéo, je voulais juste vous montrer en fait, parce que j'ai eu pas mal de questions. J'ai fait un haul nose. Samedi, je suis allée à nose. Le haul, je vous l'ai mis dimanche, je pense. Et là, et du coup, dimanche, je me suis amusée avec les papiers que j'ai achetés à nose. Alors, je vous les montre vite fait. Alors, il y en a qui sont ouverts, du coup, ils sont là. Alors, c'est ça, il y avait ceux-là. Donc, c'est en fait, c'est des paquets, tous les mêmes papiers dedans. Donc là, il est comme ça derrière. Il y a celui-là. Bon, là, je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Il y avait celui-là. Derrière, c'est les carreaux. Alors, c'est 2,50, il y a 30 pages dedans. Il faut savoir qu'ils sont toujours en vente sur certains sites. La feuille est à 1 euro. Donc, voilà, ça valait le coup. Et il y a celui-là. Donc, ce que je voulais vous montrer, voilà, avec ça et ça derrière, c'est que avec ça, moi j'ai découpé et j'ai réussi, j'ai fait une carte. Donc, la carte, j'ai utilisé donc ce papier-là pour le fond. J'ai utilisé là la carte qui est là. Là, j'ai découpé ce petit morceau-là pour faire un bip feng foum. Je sais pas comment ça se dit. Là, c'est le papier. C'est ce papier-là. Le 5, les feuillages, j'ai découpé dans ce papier-là. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça, puisqu'on m'a posé la question, qu'est-ce que j'allais faire avec et tout. Après, j'ai un gros projet, je pense, comme les. Alors, d'un, c'est un papier qui est super épais, super agréable. À plier, il est très bien aussi, puisque je l'ai plié pour essayer. Ah ben. J'ai commencé une rosace. Bon, elle n'est pas finie. Voilà. Là, c'est la boîte. Là, c'est la rosace. Bon, après, je vais la coller dessus, mais il me manque quelque chose. Enfin, je vais voir comment je fais. Vous voyez? Mais appliqué, il est super bien. Donc, je vais sûrement me faire des. Avec celui-là, là. Des boîtes de calendrier de l'Avent. Voilà. Comme j'en ai. J'ai une trentaine de pages dedans. Je vais sûrement faire ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'avec en trichant, enfin pas en trichant, mais en recoupant et tout, là, on a des mots. Là, pareil, on peut avoir des mots. Il y a 2017, mais on peut l'enlever. Hein. On peut couper que là. Là, on peut couper. Là, c'est pareil. Hein. On peut couper, enlever 2017. Ou alors mettre quelque chose, une petite étiquette pour le cacher. Ça, je sais. Ah bah ça, je l'ai utilisé dedans. Vous voyez? Le rond. Là, c'est pareil. Dedans, j'ai utilisé ce papier-là. Et pour la rosace, j'ai utilisé le papier derrière. Donc, je pense qu'on peut tout utiliser. Là, c'est pareil. Il y a plein de mots différents. Voilà. Après, alors là, j'ai fait une carte plutôt classique. Mais bon, je pense qu'on peut faire autre chose. Moi, j'aime bien changer un peu de style. Mais je trouve qu'elle fait son effet. Puis du coup, je vais en faire plusieurs, je pense. Comme ça, quand j'ai des échanges, parce que souvent, je fais l'échange et les cartes, je mets des toutes petites cartes toutes faites. Mais des cartes que j'achète chez. Voilà. Donc elles sont vraiment petites. Ça, j'achète ça chez Ziman. Mais franchement, parce que les cartes. Quand je suis sur un projet, j'ai pas envie de faire une carte, en fait, c'est ça. Il faut que je me mette à faire des cartes. Donc voilà. Donc c'est tout, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ce que j'avais fait avec, avec ce que j'ai acheté chez Nose, les papiers que j'ai achetés chez Nose. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.